Mais c'est parce que c'est le texte que je vais lire, là, c'est parce que c'est une réponse aussi. As-tu vu le petit film La nuit de la poésie? Oui, je l'ai regardé. OK. Parce que ça finit par j'aurai des mains. C'est un peu préparer la naissance. Alors, 50 ans plus tard. Oui, ben là, on tourne un petit film puis, pour le Festival Québec en littérature, puis Québec en toutes lettres, puis je vais travailler cet après-midi, ouais. Tellement. C'est pour ça, puis c'est une belle journée. Bye, bonne journée, bon courage. Une belle journée. Ah oui, écoute, on est chanceux là. Vraiment. Là, c'est toute une série de journées jusqu'à lundi prochain. Ah, c'est ça, on va venir passer la fin de semaine. Ouais. Toi, papa, c'est où? Comment? Moi? C'est où exactement? T'es né? Moi, si tu vois la tour en haut, là, la Ouais. tour de communication, Ouais. là, tu descends en bas, c'est juste en bas, là. Dans une espèce de bois, là. Au-dessus, là, il y a Ouais. des maisons. C'est juste là. Puis est-ce que. Que je suis né, le premier appartement de mes parents. Puis de chez toi, est-ce que vous voyez le fleuve? Ben oui, c'était directement ici, sur Sainte-Pétronille, le lieu où je vis depuis un bout de temps, qui est la pointe de l'île d'Orléans. C'est ce qu'on voyait ici, la pointe de l'île. Ah, c'est drôle. La chute Montmorency, la pointe de l'île. Fait que c'est exactement l'inverse aujourd'hui. Ouais. T'es dans le. C'est drôle, hein? Puis vous alliez vous baigner au fleuve? Ben oui. C'est là que j'ai appris à nager, hein, dans le fleuve. Alors finalement, c'est mon lieu de naissance coïncide avec le lieu de la fin de ma vie ici. Voilà. J'ai passé ma vie, moi, dans un cercle, hein? C'est-à-dire Lauzon, Québec, Île-d'Orléans. Tu sais, Ouais, dans un circuit quand même c'est un assez circuit. restreint. Ben oui, quand même. Mais large à cause du fleuve qui ouvre sur l'ailleurs. Hein? Sédentaire, voyageur sédentaire. Bon, on peut voyager beaucoup dans sa tête, de toute façon. Toi, papa, est-ce que tu dis clameur ou clameur? Cla. Clameur. Je sais pas pourquoi je mets souvent comme un accent, tu sais, une clameur. J'y vais à ton. À mon signal. Ça va être à ton signal. Tu reviens de nuit. Tes mains ont perdu le sens du large. Dans ta tête foisonnent les soifs qui t'ont mis au monde.
Tu n'as plus de mots pour dire où commence la perte. Mon étreinte brille au-dessus de tes os. Une clameur rompt le crépuscule. Pleut en ta mémoire un souvenir d'orageuse naissance. La mer retournée dans son sang affame les bêtes qui te dominent. J'émerge des eaux perlées. À travers les coques me pousse une voix. Je ne connais rien, mais je sais qu'il faut battre la campagne en toi. Je deviendrai l'antidote à ton enfance de vermine. Un cri se mue en jaillissement. Des heures à traverser les peaux. À peine déferré, je vole une monture pour dompter notre langue. Je rejoins la plaine dans ton front quand tu ressurgis sous un autre pelage. Avant que l'orée ne se soulève, au revers de ton crâne, les battures se confondent devant une salle comble. Tu prends mesure de ta propre faillite, les spectateurs interdits devant un tel fracas. C'est un instant de folie, de panache dans le brouillard. Les esprits s'échauffent, leur ferveur remue ta révolte. Ils ne peuvent résister à ce cri lacéré hors de toi. Quand tout devrait commencer, quelque chose s'apprête à mourir. L'avion qui t'abritait alors que tu étais une bombe vient piquer du nez sur une terre moins stérile. Un moulin rompt l'auge de froment. Du levain se mélange au miel, transforme l'acier de ton cœur en ruisseau. Dans les mains creuses qui te berçaient, des sangsues se glissent hors du trou. Ton bureau devenu clairière, tu n'assommes plus les rats. Use tes jointures sur une feuille d'où les paroles s'échappent, marchent, déchirent le linceul d'une encre à jamais liquide. Changé parce qu'on a deux bureaux contigus, mais quand j'ai fait construire ici, j'ai fait mettre la laine isolante. De ça, j'entends pas. Mais là, on parle, j'entends pas. Peut-être qu'elle m'entend penser. Bon. Cela s'intitule « Le paysage de la main ». Il y avait en ce temps-là un homme né dans le ventre d'un avion. Un homme qui en était venu à se voir comme une bombe destinée à se refaire sans cesse après chaque explosion. Il y avait un homme tellement jeune qu'il passait son temps à tourmenter les amarres d'un bateau nommé Amour, pour se rendre compte, enfin, qu'il lui manquait le savoir des vents et le sens de la main. En ce temps-là, nous étions tous à graviter autour de notre vie, à foncer sur tous les fronts de la naissance. Et puis, un par un, les lustres ont défilé, les décennies se sont évanouies les unes après les autres, et puis nous l'avons vu, l'embarcation. Nous l'avons désenlisée, la coque s'est engagée sur un courant plus résolu. Et c'est alors que sur le frais gouvernail nous sont venues les mains. Je vous présente donc une main. Ce n'est pas une main faite pour demander, faite pour se traîner dans les corps ou pour appeler quand le paysage devient fou. Ce n'est pas une main pour cravacher les battes de flammes, ni pour blesser ce qui gratte et gémit sur les feuilles. Voici donc une main attachée à un corps, une main venue pour donner la main, une main pour prendre les choses en main. À quoi sert de penser si tu ne façonnes pas ?
Voici une main pour toucher le front de mon amour, pour mesurer l'enfant qui monte, pour atteindre où se trouve le vrai cœur. Une main qui ressemble à celle du ramancheur, une main qui palpe le pouls sur vos poignets. Je vous présente une main pour dévoiler l'aile du cheval, pour montrer le masque des loups, tenir le pinceau et l'encre de l'oiseau. Voici, pour la vie de maintenant, une main pour accorder les soleils de la terre, une main pour l'esprit de l'indigo et de l'orange, une main pour le rouge profond du violoncelle, pour tracer les chemins de la couleur. Une main pour finir la maison et poser le coq sur la rose des vents. Je vous présente la main qui trouve, qui désencombre l'aviron sous les outils de la remise, la main qui poussera le canot sur le fleuve et qui me portera sur l'autre rive. Et c'est là, sur le dernier rivage, que j'aurai cette main pour saluer. Saluer les vivants descendus tout près du bord, saluer la jeunesse la plus vive, celle qui osera de là-bas crier vers moi, j'aurai des mains. Voilà. Merci.